Et donc, salut à tous, c'est Clément 1325, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo délire sur Trials Evolution. Donc, on va faire quelques pistes en solo et quelques défis à la limite. Vous allez voir ce que c'est les défis, je vous montrerai ça après, mais pour l'instant, on va juste faire un petit peu une présentation rapide du jeu. Le truc, c'est tout simplement des parcours de trial. Pour ceux qui ne le savent pas, le trial, c'est de la course d'obstacles en moto, ça existe également en vélo. Je vais vous montrer celle-là, vu que j'avais fait de la merde. Donc tant qu'à faire, autant réussir à augmenter un petit peu les trucs. Donc comme vous le voyez, on peut choisir différentes motos. On a évidemment... Pardon. On a aussi évidemment notre personnage, on peut le customiser. Je vais prendre la moto la plus puissante. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Oula, ça rame un petit peu, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est repassé à la normale. Et comme vous le voyez... On peut faire plein de trucs avec tous ces éléments. Et le but est bien entendu d'arriver à la fin. Hop, en se pétant la gueule le moins de fois possible. Et si possible, en un temps minimum. Et merde, je peux peut-être survivre. Et non, bon tant pis. Hop, là on passe comme ça tout simplement. Et comme vous le voyez, le jeu est quand même pas trop moche. Niveau graphique, ça va. Ça casse pas trois patins canard évidemment. Mais franchement, ça va pour un portage. À la base, c'était un jeu Xbox, celui-ci. Il avait été également fait sur... ça, c'est la partie Xbox. En fait, le jeu est composé de... un rassemblement de plusieurs jeux, si j'ai tout compris. Et ça, ça fait partie de la partie qu'ils ont chopé sur le Xbox Live. Le jeu avait été très bon et avait été très apprécié. Et là, ça a été porté sur PC vu qu'ils ont vu que ça marchait bien. Le jeu est pas forcément très très cher, hein. Il est pas cher du tout même. Il est à 20€ sur Uplay. Il me semble qu'il existe que sur Uplay. Je sais pas s'il existe sur Steam. Donc il a 20€ sur Uplay. Et il est à 25€ en boîte. Mais en boîte, on a le Steelbook. Et donc c'est la boîte du jeu qui est en fer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des codes pour télécharger des petits DLC. Et on a 2-3 autres trucs aussi. La BO du jeu sur un autre CD carrément, chose qui devient quand même assez rare. Allez hop, voilà, et là on part direct. Et comme vous le voyez, quand ça commence à augmenter le nombre d'images par seconde, ça part d'un coup. Je sais pas pourquoi ça fait ça, d'habitude ça me le fait pas. Aïe, c'est bon, je m'en suis sorti. Et merde, quand je meurs vers le début de la course, je préfère recommencer, vu que les médailles sont données en fonction du nombre d'erreurs que l'on fait aussi. Donc tant qu'à faire, autant pas trop faire de conneries, hop, dès le début. Après si je meurs vers la fin, évidemment que je vais pas tout recommencer, ça me ferait un petit peu chier. Hop, mais sinon j'ai tendance quand même à recommencer assez souvent. Hop, là ça passe, et merde, voilà. Donc là je me suis carrément explosé le crâne. Et là, hop. Et comme vous le voyez, les décors sont dynamiques, et il y a des trucs qui se pètent au fur et à mesure qu'on passe dessus. Bon, forcément là je fais de la merde, mais j'ai gagné un petit peu sur mon temps, j'ai l'impression, hein. Hop, hop, j'ai 9 secondes d'avance, c'est pas mal. Je peux mieux faire bien sûr, j'ai fait quand même 3 erreurs. Aïe, trop long. Ah, si je tombe dans l'eau, voilà, c'est fini. Hop, et là c'est nickel, ça, on fait un petit salto avant. Et donc je disais, les décors sont dynamiques et c'est vachement sympa. En plus ils sont en 3D, que précédemment certains décors étaient quand même en 2D. J'ai pas gagné une meilleure médaille. Voilà, et en général les courses se finissent toutes comme ça. On finit par être éjecté et se planter dans le décor. Et là on va passer à une course un petit peu différente. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qui a été porté de la Xbox. Je vais vous montrer peut-être un petit jeu. Non, pas celle-là. C'est quoi le but? Le but, il me semble là que là on va être en ski, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr. Allez, on est en ski. Il y a des petits mini-jeux un petit peu débiles comme ça. On est en ski et le but, par exemple, là, ça va être de faire le plus de salto possible sans se boiter, bien sûr. Hop. Donc déjà, je suis à 1. Hop là. Normalement, je rentre le double. Ah merde!
Voilà, et c'est déjà fini, donc on va en faire encore une petite. Mon but, ça va être quand même de battre mon record. Là, je sais que je peux en faire une. Ah non, c'est pas là, dans ce sens-là, alors c'est comme ça. Voilà, on va peut-être éviter de faire des conneries dès le début. Pour ceux qui se demandent, oui, je joue sur PC, mais je joue à la manette. Je trouve que c'est plus pratique. Donc c'est pour ça que les commandes en bas s'affichent avec les touches de la manette de Xbox. Allez, debout, 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 debout. Allez. Et merde. Bon, on va faire encore deux ou trois fois celui-là. Si je bats pas mon record. Et après, on s'attaquera peut-être à une autre. Hop. Et voilà. Hop. Je fais un petit peu n'importe nawak. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. On peut quand même y trouver de tout. Et après, je vous montrerai aussi la partie qui s'appelle Entrepôt HD. Qui est tout simplement une version remixée d'un jeu Trials qui était précédemment sorti sur PC, il me semble. Et vous allez voir que c'est tout de même très beau. Et que c'est très sympa à jouer également. Hop, là, on va pouvoir rentrer un flip. Voilà, on évite d'en faire trop souvent parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, je me suis cassé la gueule bien correctement. Hop. Et le but, voilà, j'ai fait 506 points la dernière fois. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, je suis mort ici. Là, j'ai réussi mon 7ème flip. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Hop. Ouh, là, c'était chaud. J'aurais peut-être pu faire un flip. Ah, merde. Bon, tant pis. Bon, on va s'arrêter là pour cette course-là. Hop, j'ai gagné 5$. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et comme vous le voyez, il y a plein de mini-jeux. Ah, celui-là, on est dans une soucoupe volante. Le but, c'est de faire les atterrissages au bon endroit. Là, on peut... Il y a un défi où il faut rouler sans se pencher en avant ou en arrière. Là, celui-là, on peut pas freiner. Et il y a plein de petits défis comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est appelé Entrepôt HD. C'est le jeu qui a été remixé du PC. Pourquoi je prends facile, moi? On va commencer direct à moyen, tant qu'à faire. Voilà. Et on va garder notre moto. Et je vous montrerai également la personnalisation moto-personnage, qui est pas mal du tout. Et vous allez voir que ça donne des trucs très sympas au final. Par contre, la veste de mon perso, j'aurais dû la changer. Elle est moche, celle-là. Hop. Et merde. Donc, le but, c'est toujours le même. C'est d'arriver tout simplement à la fin de la piste. Avec différentes techniques qu'on nous apprend au fur et à mesure. Par exemple, là, le salto dans une pente qui monte, c'est un truc qu'on apprend pas tout de suite. Non, ça va. Hop, il y a une piste en dessous. Hop, et là, je pense qu'on va bientôt arriver vers la fin. Ça va, j'ai pas fait un truc trop dégueulasse. Voilà, ça, on nous apprend dans un des permis. Ah, j'ai cru... Oh non, c'est quoi ce bordel? Hop. Voilà, là, ça pète, on passe à travers. Ah, c'est bien fait quand même. Ah non, mais pas juste avant le point. Ah, ça va me casser les pieds. Hop. Voilà. Évidemment, on peut péter la gueule de son personnage facilement. Je vais vous montrer ça une fois qu'on sera en haut. Hop, on peut s'éjecter. Et le personnage se bousille la race. Comme vous venez de le voir, il s'est quand même bien bousillé. Bon, ça m'a fait perdre un essai pour rien, mais c'est pas grave. Je passe après. Hop, voilà. Et j'ai souvenir que j'avais un jeu comme ça sur PC, ou une démo, je sais plus exactement. Et ils avaient mis un compteur d'eau brisée. Et ça, c'était un truc que j'adorais. Parce que je m'éclatais à tuer le plus possible mon personnage et à lui péter le plus d'eau possible. C'était juste vachement marrant. Et mon but à moi, personnellement, c'était quand même de tuer le perso, donc je vais vous montrer vite fait le garage. Voilà, donc déjà, on a la personnalisation du personnage, on peut bien sûr changer tous les casques. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Par contre, je trouve qu'on gagne pas l'argent très très vite, c'est un peu dommage. Donc ça devient à un moment difficile d'acheter des trucs. Ensuite, en plus des casques, on a Léo, qui sont... assez différents les uns des autres. On va prendre celui-là, tant qu'à faire. Hop, on a les shorts. Hop, voilà. Je vais reprendre la tenue originale. On a les shorts, les pantalons, etc. On a les gants. On peut évidemment mettre notre personnage main nue. Mais on peut aussi prendre des gants.
Voilà, il y en a plein de sortes différentes. On peut évidemment changer les couleurs à chaque fois. On peut également changer les bottes. Voilà, moi je préfère celles-là, hein. Elles sont sympas. Ça fait plus bottes de motocross. Et on peut avoir les tenues en entière. Là, moi, avec la Gold Edition boîte, j'ai eu la tenue dorée. Je sais pas si tout le monde l'a. Et après, il y a les motos. Bien sûr, on peut tout tuner. Hop, là, on peut mettre la moto en or quand on a la version Gold. Je sais pas si c'est disponible pour tous. Donc là, j'ai tout en or. Et on va faire un petit jeu d'adresse. C'est quoi? Rigole et dégringole. Voilà, là c'est une épreuve qui a été reprise. On va prendre la moto la plus rapide. Enfin celle avec le plus d'accélération. Parce qu'on a besoin d'un bon départ. Et le but ça va être, comme je vous l'avais dit, de casser le plus d'eau possible. Évidemment je suis allé trop vite. Voilà, et le but c'est d'envoyer le personnage à travers les tonneaux, de le faire dégringoler le plus bas possible pour qu'il se pète le plus d'eau possible. Voilà, le but évidemment c'est de pas faire de fail dès le départ et de réussir quand même à l'envoyer le plus loin possible. Voilà, ce que je n'arrive pas à faire actuellement. Évidemment, encore une fois c'est foiré. Hop, voilà, là je l'ai envoyé la tête la première dans les tonneaux, mais ça fait pas max d'eau brisée. Pareil pour les vitres. Je pense que le maximum ça doit être autour de 150, un truc dans le genre. En tout cas une fois je sais que j'étais arrivé à 120 ici. Hop, voilà, et à gauche on a une barre qui nous indique le pourcentage d'eau brisée en quelque sorte. Ça c'était moisi. Voilà, on peut aussi essayer de passer à travers comme ça. Boum, et de rester bloqué dans la barricade. Sinon je connaissais un autre moyen qui marchait pour péter les os du personnage. C'était tout simplement de le bloquer dans la moto. Et comme ça ça créait un bug. Et le personnage était écrasé à l'infini par la moto. Et ça lui pétait absolument tous les os. Ah voilà, là je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, allez continue. Allez petit, roule. 49, bon bah c'est déjà mieux que rien. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Donc là on est enflammé, le but c'est d'aller le plus loin possible. Là il faut écraser des cibles avec la moto. On peut monter une pente à l'infini. Celle-là, la boule, ah non c'est pas celle-là de boule qui est marrante. Enfin si, elle est marrante, mais celle-là elle est difficile. Très difficile. Voilà. Quand je disais qu'elle était très difficile, c'est qu'elle est vraiment très difficile. Hop, allez, accélère! Putain, j'ai fait un record négatif. Ah, merde. Oh, j'ai battu mon record. Oh, je suis trop puissant. Hop, hop, hop. Oh, c'est bon, j'ai compris la... Ah, non! Bon, tant pis. On va pas épiloguer. On va faire plutôt des courses, je trouve que c'est plus intéressant. Et on va continuer les trucs en moyen. J'ai pas encore débloqué les difficiles, malheureusement. Et on va faire celle-là, hein. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et vous allez voir ce que ça fait, la moto en or, ça fait rien de particulier. C'est juste qu'elle est de couleur dorée. Et let's go! Comme vous le voyez, ces environnements-là sont peut-être un petit peu moins détaillés. Oh non, là je suis une merde. Sont peut-être un petit peu moins détaillés, un petit peu moins jolis. C'est tout simplement parce que c'est le portage d'un jeu un petit peu plus... Ah non, mais je fais la même erreur, sérieux. C'est le portage d'un jeu un petit peu plus ancien. Hop. Oh là, c'était nul ça aussi. Bon, le coup de la moto en or et du joueur en or, ça par contre j'aime moyennement. Je trouve que c'est pas très très joli, putain. Allez. Allez. Yes, ça. Bon. Hop. Oh. Là, il est bien planté. Hein. Ok, je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. On va l'envoyer au bûcher. Par contre, comme vous avez peut-être pu le voir, le temps continue de défiler. Allez, passe. Yes. Bon, je m'en fous, j'ai passé le point.
Hop, là, on peut jouer sur la... pas la gravité, mais sur le... une sorte de levier. Enfin, de levier. De... pas de levier, de balance... de balancelle ou de balancement, je sais pas trop comment expliquer ça. En tout cas, on peut jouer sur la... le poids de la moto pour faire tomber la poutre et pouvoir passer. Oh, oh, je crois que j'ai fait une connerie. Donc là, on freine. Ah, 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 j'ai pas compris. On freine. Et j'ai pas compris. C'est pas grave. J'ai juste compris que là, je me suis pris une putain de poutre dans la tête. Ouh, là aussi, c'était pas mal. Allez, accélère. Oh non. Putain, je vais pas y arriver. Allez, 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 mais sérieux. Bon. Allez, hop. Yes, ça. Ça, c'est du PGM style. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Là, c'est toujours sur le même système de balancier. Hop. Et on se crash. Oh, putain. Ah, c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Faut rester là et attendre. Et on se fait balancer comme une quiche. Et bim! Et il retombe sur la nuque. Mort. Allez, course suivante. Ruée vers le conteneur. Voyage de rêve. Fluctuation, colline de pneus. Plancher sur contre. Ah, elle est celle-là. Je sais pas pourquoi, mais elle m'inspire. On va bien voir ce que ça donne de toute façon. Allez, 3, 2, 1, action. Ok. Elle me saoule déjà. Ah non, si je m'étais pas boité, je serais passé. Allez, 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 petit. Bon, tant pis. On va continuer ici. Allez. Let's go. Oh non, mais j'ai peut-être un peu trop d'accélération. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Easy. Allez, on fait pas de conneries. Non, pas de conneries, j'ai dit. Pas de conneries. Non, 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 non. Il vaut mieux redescendre. Et prendre son temps, voilà, plutôt que de faire une erreur. Parce qu'une erreur, ça nous coûte en général la médaille d'or. Ouais, bon, tant pis. Rien à faire de la médaille d'or. L'important, c'est de finir la course. Allez. Mais allez, espèce de noob. Hop. Oh non, mais pas au même endroit que d'habitude. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Là, on passe du feu. PGM style. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, merde. Hop. Bon, j'ai peut-être fait un petit tour de trop. Hop. Hop, voilà. Ça, c'est stylé. Hop. Et là, le petit salto avant. Et bim. Hop. Allez, allez. Petit salto arrière. Et bim. Et là, pouh. Toutes les courses se finissent comme ça, c'est obligé. Il y a toujours le dernier truc qu'on voit, c'est notre personnage qui se fait massacrer. On va faire celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Go! Aïe! Oh putain, dès le début. Hop. Bon. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop trop dur, même si je fais que des conneries. Hop. Hop. Allez. Bon. Hop, ça c'est facile, même si j'ai dû m'y reprendre un petit peu. Ah, trop de vitesse. Et merde. Hop. Hop, ça c'est un truc classique. Et là, ça c'est chiant. Non, passe, passe, passe. Eh merde. Passe, 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 passe. Ah, c'est bon. Hop. Là, la dynamite en fond, je l'ai vu.
Il va forcément arriver une connerie. Allez. Attention, 3, 2, 1, explosion. Même pas. C'est pas courant ça. Qu'il n'y ait pas d'explosion, tout va. Allez, mais monte. Ah, mais oui, mais évidemment, je fais que des conneries. Hop, allez. Allez, mais tu vas monter, putain! Il commence à me saouler. Allez, enfin. Oh non, encore une putain de montée. Hop. Voilà, il faut monter doucement. Et après, on fout un coup d'accélérateur. Hop. Doucement. 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 Yes! Voilà, on est enfin sorti de ces égouts à la con. Ah, purée, j'ai cru que je l'aurais pas. Bon, celui-là, il m'a bien saoulé. On va en faire un autre. Colline de pneus. Il m'inspire bien, celui-là, je sens. On va bien voir. Hein. Un, go! J'aurais pas dû lâcher la main. C'est bon. Easy. Allez. Abîme! Oh non! Sérieux? Allez. Et allez. Ah non, ça va. Allez, putain. Yes, ça. Bim. Oh non, j'avais passé le truc. Hop. Allez, il me saoule. Allez, monte là-dessus. Putain. Monte là-dessus. Allez, non. Putain, mais quel quiche, ce mec. Boum, là c'était fait exprès par contre. Bon. Allez, on se reconcentre. Hop. Voilà. Facile. Bim. Là, on monte. Attention. Là, on monte. On fait gaffe. Et là. Là aussi, on fait gaffe, putain. J'avais dit on fait gaffe. Allez. Allez, monte, 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 monte. Oh, j'ai eu du bol qui se... Bon, là, ça me gave. Ok, ça aurait pas touché, je pense que j'étais bon. Il faut que je fasse gaffe. Oh non, là, c'était pile dans la descente. Et c'est fini. Bim. Boum. Du coup, on va foutre un petit peu le feu à notre personnage, je pense. C'est dans jeu d'adresse. Non, c'est pas anneau de feu. C'est en flamme. Et le but, ça va être d'arriver le plus loin possible sans mourir. Allez, let's go. Ah, mon dieu, je suis en feu. Hop. Je me souviens plus trop du niveau. Hop. Là, ça va, c'est plutôt facile. Ça, ça va aussi. Hop. Hop, ça, ça va. Non, 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 non. Ah, merde. Bon, j'ai battu mon record. Bim. Allez, on la refait quand même. Et il faut se méfier de la dynamite. Enfin, de... des barils rouges. Ah, là, c'est mort. Putain, je l'ai vu venir, ça. Go! Allez, hop, ça, ça passe crème. Ça, pareil. Là, ça, c'est facile. Là aussi. Je me souviens plus où c'est. Voilà, c'est là. Fais gaffe, ça, on monte doucement. Doucement! Oui. Forcément. Si on se dépêche pas assez, eh ben, on meurt. Allez.
On va essayer d'arriver au bout de la piste. Je pense que c'est possible. Hop. Ah ok. La barre jaune à droite, c'est la barre du feu. Si on ralentit, on brûle. Tout simplement. Hop. Voilà, c'est pas ici, c'est après. Ah, il ralentit trop, il ralentit trop, il ralentit trop. Fonce. Allez, hop. Hop. Allez, vas-y. Yes. Non. Non. Bon, bah tant pis. On va en faire une autre. Putain, je m'étais bien débrouillé. Hein. J'ai gagné 200 de plus, c'est tout. C'est pas beaucoup. Hein. N'empêche que, comme vous le voyez, ben, on gagne pas les... On gagne pas les sous très facilement. Hop, un autre feu, c'est nul. Tremplin, tremplin, tremplin. Ah oui, ça c'est également un truc où il faut aller le plus loin possible. Mais il y a une petite spécificité, on va dire. C'est qu'il faut s'envoler. Et je sais pas pourquoi ils nous ont foutu des skis par contre. Hey, let's go! Ouh, record de zéro! Pas mal, hein? 3, 2, 1, c'est parti! Ça, c'était nul. Et comme vous le voyez, je sais pas si vous avez vu, eu le temps de voir, il y a un truc. Ah ah! Vous m'aurez pas! Bon, bah si, vous m'avez eu. Il y a un. Comment ça s'appelle? Une feature qui permet de partager la vidéo directement sur YouTube. En haut à droite. Vous avez vu? Donc ça, ça peut être pratique. Évidemment, je ne joue pas connecté à Uplay. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais sinon, on peut le faire. Allez, on va faire une débutant pour rigoler. Nom de code, danger. On va bien voir. Je parie que je vais me foirer quand même. Mauvais comme je suis. Hop. Et let's go. Oh putain, il y a de la dynamite de partout. Sans foirer. Oh non. Je me suis juste pris une vite dans la tête. Ça compte pas. Hop. Oh. J'avais survécu. Comme vous le voyez, comme la piste n'est pas très très longue, j'ai tendance à recommencer plutôt au début. Hop. Ah non. Putain. J'ai tendance à recommencer au début pour éviter d'avoir mes erreurs et pour pouvoir me choper une médaille d'or qui fera bien plaisir au niveau du prix. Hop, parce que à chaque médaille est attribué un prix différent. Là, on fait gaffe, on y est bientôt. Yes, ça. Médaille d'or, headshot et démembrement. Pas mal. Donc, on va voir le prix de la médaille d'or. Voilà, 935 plus 105 de course, donc ça va, c'est non négligeable. Et ça fait toujours sympa de gagner autant. Boss pour les bleus. On va tester ça et on va prendre une moto un peu moins puissante. Je pense que ça sera quand même plus adapté. Let's go. Donc il faut savoir bien sûr que les motos moins puissantes sont plus faciles à manier. Et vice versa. Tout simplement pour équilibrer un maximum le jeu et aussi pour que une fois qu'on est débutant, ben, on ait les motos moins puissantes, donc on va moins vite mais on a plus de contrôle sur ce qu'on fait. Et ensuite, quand on commence à être un petit peu avancé, on gagne en vitesse mais on perd un petit peu en contrôle. Bon, celle-là elle était un peu trop rapide à mon goût quand même, hein. Et comme vous le voyez, j'ai gagné encore plus de thunes que tout à l'heure, donc franchement ça va, hein. Donc là, on va faire chauffard du matin et on va prendre la moto intermédiaire, hein, pour voir ce que ça donne. Allez, 2, 1, let's go! Hop, là, ça va être facile, je pense. La moto intermédiaire est moyennement puissante et moyennement contrôlable. Donc ça va, ça fait un bon équilibre, je pense. Ah, merde! Oh, putain, j'ai survécu! Allez, monte. Monte. Allez. Allez, allez, allez. Ah! Yes! Putain, c'était chaud. Et j'ai encore gagné la blinde de thunes. On a même le temps d'en faire une autre. Allez, hop. La grande chevauchée.
Et je sais, j'ai un peu la voix pétée. Ou alors c'est tout simplement que je chante mal. Ou peut-être un peu de... Putain, l'accélération au début quand les FPS remontent, c'est juste abominable. On contrôle rien du tout. Hop. Allez. Ah merde, la vidéo est finie. Bon, tant pis, on finit ça. Et après on verra. Allez. On finit, on finit, on finit. Non, 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 crève pas. Yes, ça. Et voilà. Donc, donc c'est terminé. Avec un nouveau record de 24 secondes 972. Et un peu de thunes quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce vert pour me le faire savoir. Ça me ferait très très plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. Ça me ferait également assez plaisir. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao. Now I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you.